High music to my ears. Sadon, sadon, sadon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis au jour numéro 9 de faire du yoga consécutivement tous les jours. Je me sens beaucoup mieux, genre mon dos se sent beaucoup mieux et je me sens beaucoup mieux en général. Je pense que c'est un peu gnogneux de dire ça, mais tout arrive pour une raison. Et je pense que mon problème au bas du dos, en fait, m'a servi à repartir à la base et refaire des trucs en fait que j'aimais faire il y a quelques années, qui m'apportaient du bien et qui me faisaient plaisir. Donc c'est ça, j'ai fait du yoga maintenant pendant 9 jours. Demain c'est le 10e et après le 10e il me restera genre 20 jours de yoga. Mais cette année, si je peux dire, bref, je sais pas, cette année je dis tous mes trucs à voix haute, mais si cette année je peux faire au moins 100 jours de yoga straight, ça serait vraiment bien. Et si je peux faire 365 jours de yoga, listen, that will be like my ultimate goal, okay? My ultimate goal will be to do 365 days of yoga. Pour l'instant, je suis juste au jour 9. C'est des petits balbutiements, c'est des reconnecter avec mon propre corps, me rendre compte de ce qui va pas, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Je modifie quand je peux modifier, je prends des pauses quand je dois prendre des pauses, j'entends mon corps un peu plus, je suis un peu plus clémente vis-à-vis de moi-même. Je suis plus la même que quand j'étais au début de ma vingtaine, où est-ce que j'étais genre go, m'en fous, ça fait mal, m'en fous, mais je le fais quand même. Mi-vingtaine, je pense que j'y vais un peu plus mollo. Je suis plus concentrée, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et ce que je ne peux pas faire ne veut pas dire que je ne pourrai jamais le faire. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, à cet instant présent, je ne peux pas le faire. Mais avec de la consistance, de la discipline, ou même pas la discipline, avec l'écoute, l'attention, je peux y arriver. Right. Donc c'est ça, là maintenant je vais nettoyer un peu, je vais sortir mes poubelles et après je vais prendre une douche et je vais travailler. Voilà, je sais pas de quoi je parle, mais voilà, je vais travailler. Bisous, bisous. I won't pretend that I intend to stop living.
I'm doing good, thank you. How about you? Stillness, connecting to your breath. Là, je viens de finir mes étirements et c'était une séance de 30 minutes d'étirement. Ça s'est hyper bien passé, je me sens hyper relax. C'est vrai que je sens un peu d'inconfort au niveau de mes côtes parce que je pense que j'ai un peu poussé à un certain moment, mais c'est pas si mal que ça. J'ai aussi pu faire du sport avec ma coach cet après-midi. Donc ça, c'était très, très bien. Déjà, ce matin, vous avez vu que j'avais fait ma 10e session de yoga. Donc, voilà. Et j'ai passé une extrêmement belle journée. Très, très belle journée au travail. Très, très bien. Pu parler avec mes parents, pu parler avec mes potes. Et j'ai pu danser. C'était vraiment une très, très belle journée. C'est vrai que c'était très ensoleillé aussi. Et je trouve que toujours quand il y a du soleil au début de la matinée, je me sens vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais en général, oui, c'est une semaine qui commence assez bien. Franchement, je suis très contente. Donc, c'est ça, je vais prendre une douche et je vais dormir. Je ne sais pas si c'est la fin de ce vlog, mais si c'est la fin de ce vlog, je vous fais de très gros bisous. Et on se revoit demain, peut-être. Bye.